Bonjour YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes partis pour Cat Quest 2, jeu gratuit actuellement pour nous Twitch gratuitement, puisque du coup, nous tournons aujourd'hui, tu le vois un petit peu en bas, le 7 juillet, il se passe n'importe quoi sur ce. Le 7 mai 2024, voilà. Donc, bienvenue pour Cat Quest 2, je ne connais absolument pas. Avec la permission, oui, hein, tu peux, je t'autorise. Donc nous sommes partis, je ne connais absolument pas le jeu, c'est une énorme découverte, on va jouer en français de France. Mais je peux jouer à la manette, ce qui est très très bien, merci Epic d'y avoir pensé. Donc il était une fois une arme puissante connue sous le nom de Lame Royale. Vous entendez le son du jeu, parfait. Pendant de nombreuses années, les royaumes des chats et des chiens se disputèrent. C'est trop fort maintenant. Voilà, comme ça c'est bien. Jouer solo, jouer en coop ou quitter, jouer en solo. Hein. Option. Mode plein écran, les vibrations, changer la langue, le clavier. Remerciement. Donc les crédits, suivre, je sais pas. On va faire une nouvelle partie. Hein. Wow, mode histoire. Profitons-en. Donc c'est parti, je ne connais absolument pas qui a fait le jeu. Enfin, j'ai gentleman. Il y a bien longtemps de cela, sévissait un grand fléau. Deux rois la combattirent, mais se laissèrent corrompre. C'est les chats et les chiens, du coup, c'est ça? C'est ça. Cependant, une prophétie a prédit leur retour. Car seule leur lumière peut briller dans les ténèbres. Ok, donc là, c'est Link, Ganondorf. C'est de la prophétie. C'est voilà, c'est du RPG comme on aime bien, quoi. Oh, trop marrant le monde! Il s'aime pas? Si? Je sais pas. Mais roi, vous êtes vraiment de retour. La prophétie s'est réalisée. C'est moi, Kiri, votre conseiller royal. Le monde est en péril, vous devez me suivre. Il me suit. Bâtard de chien. Bâtard de chien. Courageuse grotte. On se voit de l'autre côté. Parti, un niveau 1. Alors. Il y a quoi là-dedans? Fripe de chat. Et du coup, j'imagine que... Ouais, c'est ça. Bah, le chien, on le fout à poil. J'aime bien les chiens. Hein. Mais je préfère... Trip de chien. Attends, le jeu, par contre, il est très fluide. Hein. Franchement. Je rêve où j'ai mis les fripes de chien ou chat. Voilà. On va pas le foutre à poil, quand même. C'est quoi ça, un hérisson? X pour vous enfuir en roulant. Bien joué! C'est quoi ça? Pour la puissance des premiers rois, réveillez ce pouvoir en vous. Donc t'as pris le souffle de feu et la pâte gelée. Bam! Moi je veux jouer le chat. C'est moi le chat. Ça veut dire quoi? Marcher sur les pics, c'est pas bon? J'ai joué à des jeux vidéo quand même, je m'en doute. Ou alors que cet ennemi est très con. Alors c'est un ennemi qui sera touché que par la magie? Non. Ah, c'est pour dire. Ah voilà, c'est comme ça qu'on le tue. J'ai plus de mana. Et voilà, on récupère un petit peu. C'est quoi des HP, XP? De l'argent. Ici, c'est un mimique. Non, c'est de l'argent aussi. Cachot terminé. Ok. Ah, ok, ça fonctionne en donjon comme ça. Et ça, c'est pour récupérer de la vie, j'imagine. Ok. Tu vas pas aimer ça, mais les rois malfaisants ont usurpé vos trônes. Lyonor le persécuteur et Wolfen le labrator. C'est pourquoi vous seuls pouvez nous aider, mes rois. C'est quoi? C'est un autre donjon? Le marqueur du roi. Ça permet de se déplacer rapidement. Ça, c'est quoi? C'est des constellations? Ponte du sud. Il y a des petites blagues sur les animaux quand même. Parce que Ponte, c'est pour la patounte, c'est le Pau.
PAEW. Nous sommes à Felingrad maintenant. Lyon est reine ici désormais. Un forgeron appelé Minou a promis de nous aider. Retrouve-moi là-bas. Minou ? Bienvenue chez vous, votre miaou gesté. S'il n'y avait pas de chien, franchement, j'aurais adoré. Je peux rien faire ? Maintenant, je peux. Okay. Bonjour, madame. Miaou ! Lyonneur est un roi calimite 2. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa guerre contre l'Empire de Lupus. Dans Doctor House ou... Non, non, la blague est nulle. Si je vais par là, ça va... Ah pardon, j'ai voulu vous attaquer. Je viens de te dire que là il y avait une tablette magique dans une grotte près d'ici. Mais j'ose pas y aller. Super. Bonjour. Avez-vous entendu les gardiens du livre? Ils peuvent vous aider à abandonner vos quêtes. Mais j'ai jamais entrepris de quête, je les ai jamais vus. Ok, est-ce qu'on peut aller dans le bâtiment? C'est fermé. Je vois qu'il y a ça aussi, les ruines du roi. Niveau 10. Roi Sigil. On est niveau 2, mais vas-y. Hein. Donc là, il y en a 3. Le jeu me dit d'aller au centre. Combat de boss. Non. Bon. Si maintenant je vais à gauche. Ça nous mène ici avec un trésor. La hache de chevalier niveau 2. Comment ça, tout le loot va au chat? C'est normal. C'est le meilleur animal. Ici. Encore. Bah lui aussi il en a une. Le bâton. Bon, je peux faire quand même la hache. Cachot terminé. Sérieux? Y'a même pas un petit boss là? Super. Hein. Donc on peut aller par là. Ah ça fait mal quand même, un petit coup de hache là. Il y a la grotte caverne de machin là. Le choix du miaulement. Il y a la grotte caverne, je sais pas trop ce que c'est, niveau 6. Donc apparemment les niveaux c'est pas lié à... Je sais pas si c'est genre le niveau qu'on de... Qu'est-ce que je suis con. Je sais pas si c'est vraiment le niveau qu'on est censé avoir, le niveau des, voilà, des ennemis direct. Niquer l'anus là. Niveau 3. Au moins on farme un peu les niveaux, c'est cool. Parce que là on est presque niveau 4. Hein. Parce que là on gagne. Ouais, on est déjà niveau 4. Hein. Ça va vite. Hein. Il y a un truc là, il y a un racaillou. Désolé, moi je vois ça comme ça, je suis désolé. Hein. Je sais que c'est pas un racaillou, je sais que c'est... Il doit y avoir du lore de ouf, mais pour moi c'est un racaillou. Hein. C'est une tête avec des bras. Moi j'appelle ça un racaillou. Le chapeau de chaventurier. Oh, moi je garde. Hein. Comment ça, tout le chat, tout le loot? Non, vas-y, arrête. Les habits de mage blanc. Je crois qu'il y a un préféré, hein. Je crois qu'il y a un chouchou dans la bande. Bizarre, ils m'ont pas mis... Ah, mais... Ah oui, parce qu'il y avait encore un truc là-bas. Sans rien, invoque ton pouvoir intérieur. Vous avez pris bouclier pointu. Mana max également augmenté. Cool.
T'as vraiment le jeu, il est vraiment fluide. Et maintenant, on se fait des ennemis sans aucun problème. Alors, on va passer un petit peu à droite avant de passer au fond là. Ah oui, il y avait de quoi. Attendez, là-bas, il y avait de quoi avoir de la vie là. Je vais me soigner un peu. Ça sert à rien de jouer au con. On va aller voir ce que Loupiot elle veut là. Il y a un truc là-bas. Oui, il y a une autre grotte. Niveau 4. La crique maritime. Ok, bon, c'est easy. Là-dedans, il y a quoi? Des pièces, ok. Un peu de... d'expérience. Oui, c'est vrai. Ils veulent pas. Merde, chien, viens avec moi. Merde, je suis trop con, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé en me disant, vas-y, viens, viens, viens. Attaque physique. C'était quoi déjà ce que j'avais? Ça, c'était pas de soin. Je vais garder les attaques physiques. Et le chien, lui, il aura ça. Sans aucune raison, j'ai pas vu les stats. Ah ouais, effectivement, oui. Putain. Défense plus 10. Oh, c'est bon. On a déjà... Par contre, les cachots, ils se terminent très vite. Hein. C'est... Je vais pas dire que c'est dommage non plus, mais je m'attendais à ce que ce soit des plus gros. Je pense que les boss, par contre, doivent être des cachots un peu vénères. Il faut nécessiter une clé d'or. Là, je peux pas traverser, il n'y a pas de pont. Ferme à Herbacha. Et là, je trouve qu'on va un petit peu haut. Donc, on va d'abord continuer l'histoire. Parce qu'en vrai, sinon, ça sert à. Du coup, je sais, il est arrivé quelque chose à Minou. Oui. J'ai un coup d'œil à cette note sur la porte de Minou. Mais dans quelques temps, je reviens bientôt ou là. C'était il y a 2 jours, j'ai peur qu'elle ait des problèmes. Mais elle est où, Minou? Il y a un bouquin. Vous avez ferré son odeur, bon chien chien, enfin je voulais dire, bien joué votre cabotance. Trace blanche, c'est quoi ça? Je vais lui garder un, toutes les histoires du passé, vous voulez revenir au moment où vous avez commencé cette quête pour la première fois? Non. Ah! Aidez-moi vous là. Ben, on en revient. Minou, qu'est-ce que tu fous là? Attends une seconde, c'est de ceux dont Kiri m'a parlé, bah ouais, mais on en sort. Excusez ma grossièreté, vos majestés. Mais j'en peux plus. Je suis trop paresseux pour aller chercher ces minerais là. Aidez-moi s'il vous plaît. Ouais bien sûr. Clac. Une minou. Vous les avez ces minerais? Il y en a encore là-bas? Il y en a d'autres là-bas. Super. Bam. Il y en a encore deux. Ah non, il y en a plus. Mais je suis sûr qu'il y en a quand même un petit peu en, à droite là. Non. Et voilà, comme papa dans maman. On donne les minerais. Je suis impressionné. Retrouvez-moi dans ma boutique, vous avez vous là, cœur. Oh. Attends, l'attaque c'est de combien déjà? Je suis désolé madame. Tous les chats qui ne suivent pas les nouvelles lois feront face à des poursuites. Ah ça va, prends ça. Ah. Minou. Alors Minou va être notre forgeron personnel. Trop cool. C'est ça. Pour tout amour qui a besoin d'être amélioré, venez me voir. Bah tiens, tu peux améliorer la mienne? Tu m'améliores ça. J'ai combien de pièges? Bah tiens, plus 4. Et voilà, niveau 5 direct. Allez, salut. Il veut quoi le mage?
Nouvelle chabuleuse, les mages veulent aussi l'aider à combattre Lyonnaire. Elle invite au châtier général de l'Arcane. Quête achevée, je passe direct niveau 5. Attends, maintenant les massacres, les hérissons. Viens par là! Vas-y, viens. Nickel, encore un peu d'XP. Bonjour madame. Il manque les mages de enseigner des tours de magie puissants. Bonjour. Je vous l'ai déjà dit, c'est la théorie des temporalités infinies. Miaou. Un chien, on est envahi. Mais non, on vient de vous voir à l'instant. Toi, c'est donc que je t'ai parlé. Oh, mes moustaches. Vite, rentrez donc, mes majestés. Maintenant, on peut rentrer. Allez, ma pelote de laine pour améliorer votre magie. Vous voulez améliorer les pouvoirs magiques? Oui. On a pas assez d'or. Merde! Du coup, c'était juste ça, c'était pour rentrer et améliorer la magie. Ouf, ouf. Les soldats lyonnais arrivent. Vous en supplions, de nous protéger. Tiens, prends ça, ça devrait t'aider. Bâton de foudre. Ça tire de loin. Bah tiens, le chien, tu joueras à la baballe. Mais non, pas moi. Voilà. Patte de soin. Oh non, je vous. Lui sera un guérisseur et moi je serai un tank. Là, comme ça, c'est juste. Ah non, je peux pas me soigner. Voulez-vous battre? Par ordre du roi Lyonnaire, tous les mages doivent être persécutés et attachés à un concombre. Écartez-vous, vous deux. Parce que les chiens, ils détestent les concombres. Voilà, on ne laissait pas le choix. Libérez Monsieur Rocky. Même si Monsieur Rocky est extrêmement vulnérable à la magie, non? Chut, fallait pas qu'ils entendent. Putain, on l'a démonté, quoi. Monsieur Rocky, non! Il est attaché à mon concombre. Dans le jeu, dans le jeu. Doucement, doucement, dans le jeu. Bonjour. Merci! C'était dur. Ok, on est prêt pour Lyonnaire maintenant à la capitale. Yeah, quête achevée. En fait, je pense que là-haut, on va de toute façon recroiser. Tiens, cette grotte, on l'a pas fait. Ensuite là-dedans, un peu d'or. Niveau 7. Avec beaucoup d'or. Ça c'est bien. Donc là on est repassé au milieu. Il faut une force monstrueuse. Niveau 10. Mais on les démolit quand même. On a découvert un truc. Bah ça c'est ouvert, je pense que c'est. Il fallait juste tuer tous les ennemis. Alors il y a quoi là-dedans? Un chapeau de mage, dégâts de glace plus 15. Bah la glace c'est la whistle. Ouais il peut avoir les trois. Bon, bah voilà, on a un mage guérisseur qui peut utiliser de la magie glace et qui est boosté. Comment dire qu'on est bien? Attaque physique plus 15, plus 5. Moi c'est quoi? Attaque physique plus 5, plus 5, et défense plus 10. Ouais. Attaque physique, hein. Comme ça je suis à plus 15 en attaque physique, je suis un putain de bourrin. Et je ressemble un peu à l'espèce de... De Robin des Bois, mais à la dague. On perd un peu le principe de Robin des Bois, mais... Ah bah oui, regardez, on était là tout à l'heure. Regardez, hop, on est de retour à la ferme à Arbacha. Merde, ça fait mal.
Il faut gagner le combat là. Voilà, bien joué. Niveau 15. Alors qu'est-ce qu'il y a? Examinez la tablette, oui. Testez votre courage et notre trésor sera à vos pattes. Vague 1. Ah mais j'ai quasiment plus de vie. Ah bah c'est bon, je suis mort. Pas de mana. Je suis arrivé dans un donjon avec aucune vie, donc bah... Ah, moi je veux pas jouer avec lui, là. Hop. On y retourne, hein. On y retourne complètement. Alors... Non, pas trop y croire non plus. Parce que je prends des dégâts, je trouve que personne ni enfin rien ni personne ne me touchait. La 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 la. Rien de moins. Attends, faut quand même que lui récupère. Quoi? Pourquoi il meurt? Mais pourquoi il est mort aussi? Je comprends rien. Oh là 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 là. Bon, on va continuer le jeu, on verra peut-être plus tard. Tiens, c'est quoi ça? Voilà. Moi, je me venge sur tous les faudeurs là. Donc, la chapitale. Vous êtes prêts à reprendre votre trône? Oui. C'est lui, putain, Lyonnaire, on dirait un personnage de Ninjago. Les informations sont terminées. Oui, Seigneur Lyonnaire, kékéké. Nous ne verrons pas venir. Iskas. C'est Lyonnaire, vite, faut le suivre. Ah merde, j'ai voulu te tuer. Je suis désolé. Hein. Salut, cher aventurier et ami à poil étrange. Je te donne un tuyau. Certains amis procèdent d'une faiblesse alimentaire. Le feu, la glace, qu'est-ce que t'as? Vous vous souvenez par où il est parti, Lyonnaire, non? Bah, il est parti par là. Quoi le croiser? Eh oui! Idiot, vous êtes tombé dans mon piège. Laissez-nous charger d'eux, seigneur. Là, forcément, t'en as un qui est faible à la glace, l'autre qui est faible au feu. C'est grand classique, mais bon. On va massacrer. Faut que je fasse tout seul. Il résiste. Je suis inquiet quand j'ai vu le visage, mais que deux chats mouillés. Profitez du reste de votre vie, commencez sur cette île. Ils sont cassés. Alors, faut trouver le moyen de partir. Sans rien invoque ton pouvoir intérieur. La patte de soin. Et plus de mana encore. Non, c'est pas nager. Bon, voilà. Roi Sigil. On est venu ici. Ah, y'a un boss cette fois.
Sans rien, vous cherchez un moyen de récupérer votre trône. Montrez que vous en êtes digne. Et notre plus grand amour a été le vôtre. Putain, il a encore. Le chien, lui, il se prend tous les coups. Moi, je me prends une pichenette. Je suis à deux doigts de mourir, quoi. C'est un truc de ouf. Mais Team Chat. Voilà, niveau 8. Le saut du roi. Prenez ce saut. Il fait ranger l'arme qui pourra vaincre n'importe quel ennemi. La lame royale. Yeah. Ah, le cachot est pas terminé, il me reste encore des trésors à trouver. Il est déjà niveau 8, hein. Ça avance vite, hein. Je sais pas. Là, Lyonnaire, je trouvais ça bizarre qu'on le nique aussi vite dans le jeu, mais je pense que ça devait être parce que c'était un faux boss. Pas la lune de Mars, hein. Un faux boss. Non, il n'y a rien ici. Et là, du coup, on est à la ruine du roi Sigil. Ah, mais Moustache, j'étais si inquiet. Vous avez bien entendu, vous n'avez même pas pu gratiner Lyonnaire. On montre le sceau du roi. C'est la marque des premiers rois. Ah, ils vous ont dit qu'ils auraient besoin de la lame royale. Hein. J'espère que nous n'aurons pas recouvert cela, mais ok. On va demander à Minou ce qu'il en pense. Ah, c'est un mec? Allez, vas-y, niveau 9. Ah mais bah là l'écart de niveau devient énorme. En deux coups d'épée ils sont morts quoi. Minou. Vous voulez améliorer votre armure? Ouais bien sûr. Niveau 12. Yay. Et le chapeau niveau 4. Mais du coup, Minou. On l'a vu discuter avec toi. Hein. Bah, écoute, j'ai l'impression que Minou, il nous parlera peut-être plus tard. Hein. Écoute, YouTube, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette belle découverte. En vrai, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le jeu. Ah d'accord, fallait d'abord parler à Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Mais bon, en vrai, on va pouvoir s'arrêter là. Le jeu était vraiment très très bien. Je vous le conseille. Il est gratuit actuellement sur Epic. Pour ceux qui sont sur Twitch. Pour YouTube, je pense que ce sera un peu compliqué pour sortir les vidéos avant. Parce qu'en une semaine, mine de rien, c'est assez chaud. J'espère en tout cas que ça t'a plu quand même. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à ta chaîne pour voir tes prochaines vidéos. J'espère que t'as pu choper le jeu qui est franchement très sympa. On a joué une demi-heure. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que ça t'a quand même plu, je te fais de gros bisous YouTube, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.